Salut à tous et à toutes, c'est Shadow Nightmare et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur un nouvel Assassin's Creed, donc Assassin's Creed 4 Black Flag. Donc AC4, plus connu sous son petit nom. Bon là il y a la cinématique de début, je vais la passer d'ailleurs. Donc on se retrouve pour cette nouvelle aventure puisque nous avions terminé tout simplement le Let's Play de Libération. Oui, Libération, je confonds pas avec Révélation, parce qu'à chaque fois je confonds. Donc j'espère juste que je ne suis pas planté, que j'ai mis le CD pas multijoueur. Normalement c'est bon. Donc on commence à cette nouvelle aventure. Alors je voulais la faire sur Xbox One comme je l'avais dit, mais étant donné que je n'ai toujours pas d'ordinateur assez puissant pour faire tourner mon Elgato, je ne peux pas le faire sur One, donc on le fera sur 360. Bon, c'est pas si grave que ça. Alors nous sommes sur le menu comme tout début de Let's Play que je fais sur Assassin's Creed, pour faire voir un petit peu le menu. Donc il y a donc tout simplement le solo, donc on voit ma partie où c'est à 100%, FGL, Shadow Nightmare, Grad Absergo, etc. Donc ça c'est le multijoueur. Un peu joué. Le prix de la liberté, qui est en fait un DLC, une histoire annexe à Black Flag, qu'on fera une fois le Black Flag terminé. Tous les plans navals grâce au pack technologie. Bon, ça c'est plutôt le côté... les contenus téléchargeables, pardon. Pareil pour le contenu additionnel qui est en dessous. Bon, ça après c'est juste des... Oui, ils appellent ça comment? Des quick, je sais plus quoi. Enfin bref... des raccourcis histoire de que vous ayez toutes les cartes pour voir où sont les objets. Moi ce que je trouve inutile puisque dans le jeu c'est déjà possible. Mais bon, initiate, you play et les options. Donc nous on va aller sur Shadow Nightmare et on va faire donc une nouvelle partie et commencer cette nouvelle aventure. Donc comme d'habitude, je vais mettre simplement Shadow. Je sais plus si d'habitude je laisse le 4, mais enfin bref, on va juste mettre Shadow et on est parti pour cette nouvelle aventure. Alors je sais plus trop s'il y a une cinématique... c'est bien sûr qu'il y a une cinématique, puisqu'on commence un nouveau jeu. Est-ce que c'est tout de suite ou pas? Je ne me rappelle plus trop. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Et puis c'est vrai que je suis assez pressé de refaire ce jeu avec vous. Malgré que je l'ai déjà fini. Mais ça fait toujours plaisir de se relancer à une nouvelle aventure. Donc, je vous laisse regarder la petite cinématique. On se retrouve juste après. Si le chargement n'est point trop long. Ubisoft présente. Allez hop, on joue déjà, je croyais qu'on ne jouait pas, mais si, tout de suite. Donc on va devoir atteindre, là-bas, si tout le monde se pousse, pour pouvoir aller attaquer l'autre bateau. Tu peux te pousser s'il te plaît, merci. Hop, on prend la barre et... Alors, tir au canon, pour tir au canon, maintenez LT et orienter R pour viser, puis sur RT pour tirer. Bon, je relis un peu les didacticiels, puisque bon, avec Libération, on n'avait plus du tout de contact en bateau, donc j'essaie de me remettre dans le bain tout de même, c'est un peu logique. Alors on va devoir couler les navires ennemis déjà dès le début. Donc rassurez-vous si on ne connaît pas l'histoire, etc. Ça va se faire au fur et à mesure. Mais pour le moment, notre préoccupation principale, c'est simplement de s'occuper de tous ces bateaux là. Alors je suis juste désolé si j'ai un peu du mal à parler, c'est simplement que j'ai un coup de froid grâce à un ami. Enfin bref, voilà, donc si j'ai un peu la gorge... Je perds un peu ma voix de temps en temps, je suis désolé. Normalement ça devrait être... Enfin, normalement je devrais pas trop aller mal, mais... Je tiens à le préciser tout de même. L'autre il est derrière moi. On va lâcher la barre. Enfin, lâcher la barre. On va plutôt replier les voiles, histoire de pouvoir se mettre comme il faut. Et hop, on est parti. On est parti. Donc déjà on commence dans une vraie bataille navale. Ça fait plaisir. Hop là. Oh, les boulets de canon. Ah, normalement on va bientôt le couler j'espère. Clac. Voilà. Et la dernière valve j'imagine. Hop là.
Ça, c'est fait. La poudre ! Elle va sauter ! Éteignez ce feu ! Entre là-dedans, sale chien ! Petit chargement, donc comme d'habitude, hein, beaucoup de c'est cinématiques dangereux. durant ce premier épisode, Edward, mais bon, c'est normal. être corsaire, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il paie si bien. Mais il y a la marine royale, tu toucheras une bonne solde entouré d'hommes d'honneur. Au diable, la marine royale. Pour chaque shilling que je gagne, le commandant en prend 600. C'est pas comme ça que je ferai fortune. Qui te demande de faire fortune ? Je veux pas faire fortune, Caroline. Je veux juste pouvoir manger à ma faim. Je veux un toit solide au-dessus de ma tête. Je veux une vie décente. Tu seras parti avec ces corsaires. Combien de temps ? Un an, je dirais. Deux, tout au plus. D'accord. Pas plus de 2 ans. Promets-le-moi. Petit flashback d'Edward. Et on revient à maintenant. Alors, on va devoir atteindre le rivage. Alors bon, nager, utiliser L. Donc bien sûr, on nous réexplique comment on fait. Par contre, je peux pas. Voilà. Bon, j'ai pas attendu qu'ils me disent comment nager plus vite. Heureusement, j'ai retrouvé la touche. Voilà. Maintenant, ils me le disent maintenant, mais c'était un peu trop tard, mon ami. Donc ouais, j'aurais bien voulu vous montrer sur One, histoire de moi de redécouvrir le jeu. Je sais pas si la différence graphique est énorme. J'imagine qu'il y a des comparaisons sur YouTube. Mais j'aurais bien voulu un peu redécouvrir le jeu à ma façon. Et je l'ai fait qu'une fois celui-là, donc je vais redécouvrir aussi certaines scènes. Ça t'a plu à toi aussi? La Havane. Il faut que j'aille à la Havane. Eh ben, j'ai plus qu'à nous construire un navire. Je te paierai. L'or, n'est-ce pas ce que veulent tous les pirates? 1 millier d'escudos. Je t'écoute. Alors, tu vas m'aider, oui ou non? Et t'as tout cet or sur toi, bien sûr. Misérable chien de pirate! Je vais t'avoir, salanguille! Et donc, oui, étonnant, nous ne sommes pas un assassin. Mais on va devoir en traquer un, parce que bon, nous sommes bien entendu un pirate, hein, Black Flag étant la traduction de drapeau noir, le drapeau noir qui est donc le symbole des pirates par excellence, enfin en plus grande partie c'est celui-là qu'on retient. Et donc Edward Kenway que l'on incarne, qui comme son nom vous l'indique, oula attendez, je sais plutôt par où qu'il est parti, j'espère que c'est par là-bas, j'ai pas fait gaffe. Comme son nom l'indique, qui fait partie de la famille de Connor Kenway, rappelez-vous-en. Ainsi donc le père de Connor, je ne sais même plus son nom, honte à moi, Ethan, voilà. À chaque fois je me gourre dans son prénom. Ethan. Par contre là, je sais plus du tout où c'est que c'est. Ah, je sais plus, je crois que c'est par là. J'espère. Parce que je parle, mais j'ai complètement oublié par où qu'il est parti. Je vais tenter par là, on verra bien. Normalement ça devrait être le cas.
puisqu'il y a un petit point d'observation qu'on va devoir faire, j'imagine, pour voir où c'est qu'il est. On va voir. On va monter là-haut, et puis bon, on verra bien. Hop, donc oui, comme je disais, on n'est pas pour l'instant un assassin. Mais on en poursuit, hein, et vous allez savoir pourquoi. Enfin, la raison est simple, déjà, vous l'avez entendu, hein, il veut simplement prendre son or. Edward, étant un bon pirate, il se dit pourquoi pas. Ça fait de l'or gratuit, mais vous allez voir que ça va pas du tout se passer comme ça. Petite synchronisation, histoire de voir ce qui se trouve sur cette île. Enfin, du moins une bonne moitié, puisqu'il y a tout de même un deuxième point d'observation à faire. Mais déjà faire celui-ci. Hop là. On va pouvoir continuer. Ah, par contre, j'espère que je me gourre pas d'endroit. C'est bon, je le revois l'assassin. Il y a eu un petit zoom dessus en plus, histoire de... Je vais aller à gauche au cas où. Clac, clac. Voilà. Pour l'instant, on est pas mal. Le deuxième point d'observation, je sais plus trop si on va le faire. Mais en tout cas, pour le moment, on sait où qu'on doit aller. J'avais un petit peu peur tout à l'heure de m'être gouré de chemin. Mais non, pour l'instant, c'est bon. Hop. On voyait déjà qu'Edward maîtrise bien tout de même le free running. Hein. Il n'y a vraiment aucun souci pour l'instant. Je vais faire le point d'observation. Ouais, je vais faire le point d'observation, sait-on jamais. De toute façon, on a le temps. Hop, on va pouvoir monter là-haut. Et on va faire ce point-là. Histoire d'avoir cette île-là, si au cas où on revient, au moins on aura la vue dégagée, ce sera tout de même pas mal. Comme ça, ce sera fait, on n'aura pas besoin d'y revenir à l'avenir. Hop, on va plonger. Voilà. Et cette fois, par contre, on poursuit l'assassin. Je sais plus du tout par où qu'il est parti. Voilà, un petit zoom. Il est sérieux ? Oh, purée. Ah, j'ai pas réussi à l'esquiver. Hein. Là, j'ai fait ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu. Et on va devoir le tuer maintenant. Donc, je vais le sélectionner. Alors, j'ai raté totalement mon sélectionnage. Ma sélection, plutôt. On va prendre cette arbre-là. Ah ! Non plus, j'ai pas réussi. J'essaye de le viser, mais... Enfin, là, bon, en même temps, vous allez me dire, il est trop loin. C'est vrai. Tout à l'heure, il était beaucoup plus près. C'était beaucoup plus faisable. Mais bon. En tout cas, on est toujours derrière lui, on n'est pas trop à la ramasse, ça va pour le moment. On n'a plus qu'à le suivre. Ah ! Voilà. Bon. On va devoir s'attaquer. Et voilà. Je laisse tout simplement contre-attaquer, hein. Ce fut assez simple à vrai dire. Seigneur Duncan Walpole, j'accepte votre généreuse proposition et attends votre venue avec impatience. Si vous détenez les informations que nous désirons, nous vous récompenserons amplement. Votre visage m'est certes inconnu, mais je crois pouvoir reconnaître la tenue qui a rendu votre confrérie si tristement célèbre. Par conséquent, gagnez en toute hâte là-bas. Je vous assure que vous y serez reçu comme un frère. Votre très humble serviteur, gouverneur Laureano Torres y Ayala. Monsieur Walpole, allons toucher votre récompense. Petite tenue assez classe, je trouve, donc on va devoir se diriger vers la vanne. Pour récupérer donc la récompense, je vais faire le point d'observation qui est ici. Hop. Ah ! Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais arrête d'aller aussi vite. Voilà. Faire le petit point d'observation. Comme ça au moins, ça sera fait. Donc comme je disais, on a récupéré donc la tenue d'assassin pour se diriger vers la vanne. Bien entendu, Edward n'a toujours aucun soupçon sur ce qu'il porte actuellement. Sur ce qu'est la confrérie d'ailleurs. Mais lui, vu que la personne qui doit donner la récompense ne connaît pas le visage, mais simplement la capuche emblématique des assassins, il se dit, tout simplement en prenant la tenue, il sera tranquille pour aller récupérer la récompense du gars qui devait l'avoir. Oui, voilà, ça je sais quand même comment le cacher. Alors, mais il y en a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui, il y en a quand même pas mal. Hein. Il y en a quand même pas mal.
Je vais essayer d'en siffler un. Enfin non, d'abord je vais tuer lui. Il est assez proche. Voilà. Oh, ils vont se faire shooter. Voilà. Hop, déjà un qui a été complètement fumé. Bon, tant pis, je fonce sur lui. Hop. Voilà. Et les trois, on va les faire comme ça. Alors par contre, vous avez vu la grosse erreur qu'a fait Edward. C'est de simplement jeter la lame secrète. Donc ça va être un peu plus dur pour le moment, mais vous inquiétez pas, ça va être vite remplacé. Parce que bon, un Assassin's Creed sans lame secrète, c'est un peu débile. Toi, tu vas arrêter de tirer. Tu peux recharger toujours, mais ça ne fera rien. Désolé. Et hop, on n'a plus qu'à libérer le marchand. Le ciel soit loué, monsieur. Vous m'avez sauvé. Tous mes remerciements. C'est le tien? C'est mon navire, oui. Mais voici son malheureux capitaine. Et je ne connais rien à la navigation. Je le piloterai moi-même, ne t'en fais pas. Vous ne comptez pas vous enfuir à son bord, dites. Je suis Duncan. Quel est ton nom, mon ami? Steed Bonnet. Eh bien, monsieur Bonnet, que ceci reste entre nous. Mais je suis en mission secrète pour sa majesté. Dieu veille sur lui. Et je dois rejoindre la Havane au plus vite. Ah, vous me voyez soulagé, monsieur. La Havane est aussi ma destination. Nos destins nous réunissent. C'est la chance, mon ami. Oh, vous me rassurez, monsieur. Quand je vous ai aperçu, j'ai bien cru avoir affaire à un pirate. Ah oui? Oui, vous avez une démarche assez peu commune. Rapide et aisée, si je puis me permettre. Vous m'avez flanqué la fosse. Mais, tout bien considéré, je crois que cette journée a plutôt bien tourné, n'est-ce pas? Ouais, n'est-ce pas, elle a plutôt bien tourné. Bon, il n'y a plus qu'à aller rejoindre le bateau. Par contre, je vois qu'il y a une carte ici, donc on va interagir. Bon, complètement à côté, mais c'est pas grave. Carte au trésor. Donc ça, c'est des trésors qui se trouvent un peu plus sur la carte. Alors bien entendu, vous n'allez peut-être pas récupérer la carte au trésor de l'île en question. Mais en tout cas, via les coordonnées, vous allez savoir sur quelle île se trouve et avec les images, avec la description de la carte et donc le simplement l'emplacement qui est dessiné, vous allez pouvoir retrouver la carte, enfin le trésor en question, qui peut être plutôt intéressant certaines fois. Donc nous, par contre, on va récupérer ce bateau et on va se rendre donc à la Havane. Ah, j'arrive pas à appuyer sur B. Bah, pourquoi il veut pas? Ah, on doit attendre que l'autre arrive, j'imagine. C'est bon? C'est bon. Prendre la barre et on est parti. Alors moi, personnellement, ce Assassin's Creed-là, je l'aime bien. Hein, j'avais plutôt bien apprécié. Alors c'est vrai que... ça peut ne pas aimer. Moi, personnellement, qui aime bien cet univers de la piraterie. Je veux pas dire que je suis fan de la piraterie, hein, mais j'aime bien cette ambiance-là. Et franchement, bon, bah, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Après, c'est vrai que le côté assassin, bon, bah, il est moins là. Mais bon, ça, depuis quelques opus, c'est déjà le cas, malheureusement. Mais sinon, après, mon avis, voilà, il est très joli. J'aime bien l'ambiance, ce côté Caraïbe. Personnellement, moi, j'ai bien aimé. Après, voilà, c'est sûr que ce n'est pas un vrai Assassin's Creed comme on avait l'habitude d'avoir. Mais bon, maintenant, il faut, enfin, moi, personnellement, je me dis qu'il faut plus trop rêver de s'attendre à un AC aussi, AC2 ou AC1. Bon, personnellement, je préfère AC1 parmi les Assassin's Creed, mais bon, beaucoup préféreront le 2, ce que je comprends totalement. Et voilà, moi personnellement, le 1 c'est juste parce que Altaïr et que j'adore la carrure d'Altaïr et ce qu'il dégage. Après, c'est vrai qu'AC2 à comparer au 1, c'est sûr qu'il est nettement plus excellent, mais voilà. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux, sachant que c'était le premier opus en tout cas. Et c'est sûr que c'était, enfin, pour moi, quelque chose de nouveau. Alors le 2 a refait cette chose-là en beaucoup mieux. Ce que maintenant, j'ai plus l'impression qu'il dégrade. Il y a des trucs nouveaux, mais les trucs nouveaux sont tellement cachés par tout ce qui a été enlevé, qui était bien, que bon, on n'y prête plus du tout attention. Donc bon, cette fois, nous, on va pouvoir se diriger vers la mer, observer l'événement. Alors, il y a plusieurs animaux en mer, hein, bien entendu. Là, on a pu voir une baleine à brosse. Mais il y en a plusieurs qui s'y trouvent et vous pouvez les chasser. Je crois comme dans AC3, si je ne dis pas de bêtises, ou qu'on l'a fait. Ou je me cours totalement, mais en tout cas, on peut le faire. Vous êtes un marin né, Duncan. Je
J'ai déjà eu l'occasion de faire mes preuves à la barre. Durant 2 ans, parmi les corsaires. Dieu du Saint-Ciel, votre vie respire l'aventure, mon ami. Tant de péripéties, c'est merveilleux. C'est vrai que j'ai vu mon lot de choses étranges. Excellent travail. On est sur la bonne voie. Donc là, bien entendu, vous vous en doutez, on va retourner au présent. Alors, certains se demandent où c'est qu'on se trouve maintenant, peut-être actuellement. Ben, vous allez voir, ça va être plutôt sympa de voir ce qui s'est passé dans ce côté présent. Un côté présent qui m'a bien plu. Personnellement, Black Flag m'a redonné le goût à Assassin's Creed. Okay. Personnellement, c'est peut-être pour ça que j'ai plus accroché. Voilà, ça y est, c'est très bien. Waouh, t'as fait du bon travail. Je vais vérifier si ton cerveau n'est pas abîmé. Maintenant, bouge la tête et regarde ces lumières, ici. Regarde en haut. Ah bah attends, ça veut pas. Ah, tant pour moi. C'est bon. En bas ? Bon, tout est ok. Tu peux te lever. Ah, tant mieux ! Voilà. En fait... Bienvenue au projet Échantillon 17. Alors, avant de commencer, tu vas avoir besoin de ça. Et voilà. Testing, testing, 1, 2, 3, salut, bonjour, c'est bon ? Ça marche ? Bon, allez, on fait la visite. Dans ton dossier, tu as déjà fait des recherches dans les mémoires génétiques, mais pas tant que ça, ce qui est surprenant. En tout cas, tu sais ce que tu fais. Tes flux de données sont très stables. Impressionnant, non? Ce bâtiment existe depuis environ 6 mois, mais le studio Abstergo Entertainment a été créé bien avant ça, en 2010. Bien entendu, je vais pas parler parce que bon, ça peut être intéressant ce qu'elle vous dit, très intéressant, donc je préfère ne pas vous en parler. Peut-être as-tu vu Libération ? C'est le premier titre à employer la techno Animus. C'était juste la partie émergée de l'iceberg. D'ici peu, on va lancer des serveurs Animus grand public. On va inonder le monde entier. Le joueur vivra une expérience passive, bien sûr. Des versions remontées de l'histoire. Uniquement les moments palpitants. Et on pense avoir trouvé le sujet idéal pour notre premier long métrage virtuel. Les pirates des Antilles. Tu vas bosser là-dessus. Ça va prendre 1 minute, ok ? Ouais, laissez faire. Alors regardez ça. Bonne journée. Elle vous dit quelque chose ? Et elle n'est pas la seule. Vous dit-il quelque chose aussi ? Ça c'est pour toi. Le plus important de tous nos gadgets. Ton communicateur. Allume-le et j'ai dit un œil, c'est plutôt cool. Un petit gadget sympa, cette petite tablette numérique qu'on nous fournit. Qui va nous permettre de nous dire les destinations parmi... La sécurité n'était pas très élevée par ici. C'est parce que ton communicateur contrôle tous tes déplacements. Bon, j'hésite à parler parce qu'à chaque fois, elle parle en même temps, donc je préfère vous parler une fois qu'on sera soit de nouveau dans l'Animus, soit quand on va nous lâcher devant l'Animus. On verra bien. De toute façon, pour l'instant, on verra bien. Quand le signal wireless clignote, c'est que t'es connecté à l'ascenseur. Allez, à toi l'honneur. On va au studio de l'échantillon 17, niveau 2. De toute façon, en même temps, il n'y a que ça de disponible, Nunuche. Réfléchis 2 secondes. Il y a toujours une petite connectivité, cette petite connectivité-là qui va nous permettre avec certains objets. Donc nous voilà dans les bureaux où c'est qu'on va travailler. Ah, je vais te présenter le boss, Olivier Garneau, notre directeur créatif. Bonjour. Salut Mélanie. Ça va bien ? Ouais, merci. Tu connais notre nouvelle recrue ? C'est son premier jour. Eh bien non. Bonjour, tu bosses sur quel projet ? L'échantillon 17, la lignée Kenway. Sur Etam, Connor... Edward, le pirate. Ah, dis matelot. C'est super, bienvenue à bord. Mélanie, est-ce que je peux te dire un mot dans ton bureau ?
Bien sûr. Donne-moi le temps de l'installer et je te retrouve dans 5 minutes. Parfait. Ravi de te connaître. Bon. Voici l'étage de l'échantillon 17. On explore les mémoires génétiques d'un très généreux donateur. Desmond Miles. On extrait toutes les merveilles de son ADN. Et avec un peu de chance, on va pouvoir utiliser nos trouvailles pour façonner des expériences fantastiques. Ses jambes sont à John, notre petit génie de l'informatique. Il fait les derniers réglages sur ta machine. Je ne règle pas, j'étalonne. Il étalonne, pardon. Et nous y voilà. Ton poste de travail, ton animus... Il est rien que pour toi, alors mets-toi à l'aise et déniche-nous des bonnes séquences. S'il te faut des conseils ou des infos, l'animus est rempli de tutoriaux très précis. Tu verras, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai te voir plus tard. Bonne piraterie. Donc, avant qu'on aille plus loin, j'ai quelques petites choses à vous raconter là-dessus. Puisqu'il faut savoir qu'il y a aussi quelques clins d'œil. Donc lui, on en parlera plus tard, ou peut-être pas du tout. Mais en tout cas, tout à l'heure, je vous ai fait voir la coursière qui est venue amener un colis au bureau. Et je vous ai dit, est-ce qu'elle vous rappelle quelqu'un? C'était tout simplement Rebecca. Et la personne qui était au stand de hot dog à moitié, que je vous ai dit aussi, est-ce qu'il vous rappelle quelqu'un? C'était donc... Sean que je déteste et que je déteste à fond, mais bon, il est tout à fait là. Donc nous sommes bien chez Abstergo Industries. Nous avons donc l'ADN de Desmond qui est utilisé dans les Animus, qui nous permet de revivre les mémoires. Donc là nous sommes dans les bureaux où c'est qu'on va travailler avec cette petite tablette qui va nous permettre d'accéder à certains endroits. Vous avez mes fichiers qui permettent d'accéder à ce qu'on a débloqué. Et petit easter egg sympa à savoir également. Comment s'appelle-t-il ? Olivier Garneau, que vous avez vu tout à l'heure, qui est donc notre patron, si je ne dis pas de bêtises. Olivier Garneau, au bout d'un moment, sans vous spoiler, parce que bon, c'est plutôt un petit truc qu'il faut savoir comme ça, mais c'est pas voilà vraiment dans l'histoire elle-même qu'on va jouer. Mais ce Olivier-là, plus tard, quand on lira les mails qu'on peut pirater sur des ordinateurs, on va savoir qu'il est assassiné. Eh bien, celui-ci a été assassiné simplement par Aiden Pierce. Aiden Pierce qui est donc le personnage principal de Watch Dogs. Et qu'on doit tuer durant le jeu. On doit vraiment le tuer durant le jeu Watch Dogs. Quand on joue au jeu Watch Dogs, on doit tuer cette personne. Et quand on utilise un téléphone, enfin notre téléphone portable, qui nous permet d'hacker les comptes, etc. On peut voir que sur cette cible-là qu'on va devoir assassiner, qui fait partie d'une agence, etc. Dans Watch Dogs, c'est un peu fouillis. Mais pour ceux qui ont joué à Black Flag, on sait très bien qu'Olivier Garneau, c'était simplement le directeur et que Aiden Pierce, enfin nous-mêmes, avons dû l'assassiner. Donc c'est plutôt un easter egg assez sympa que je voulais vous dire. Bienvenue. Donc on va retourner dans l'Animus qui est simplement maintenant un petit ordinateur. Breveté par Abstergo Entertainment. Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés durant l'utilisation de votre console Animus, veuillez contacter votre chef de projet, Mélanie Lemay. Vous faites partie de l'équipe du projet Échantillon 17. Votre sujet de recherche principal est Edward James Kenway, né le 10 mars 1693 à Swansea, pays de Galles. Étalonnage terminé. Signaux normaux. Système optimaux. Transmetteurs extraneuronaux activés. Et donc nous sommes repartis pour l'Animus. Avec donc notre très cher ami Edward Kenway. Je pense qu'après cette cinématique-là, on se quittera d'ailleurs, histoire que ça ne fasse pas un épisode trop long, mais que vous ayez vu au moins l'intro de ce jeu. Donc nous voici à la Havane, avec notre bateau et avec notre cher ami qu'on a découvert sur la petite île où c'est qu'on avait été échoué, enfin s'échoué même. Donc Assassin's Creed 4 Black Flag, toujours cette petite intro sympa, même si à mon goût, elle ne rivalisera jamais avec celle de Assassin's Creed 2. Qui était tout simplement magnifique, qui me donnait les larmes aux yeux. Mais bon, ça reste toujours une intro assez sympa à voir. Les îles de la Havane, j'avoue l'avoir déjà savouré, et je ne suis pas prêt de l'oublier. Tu connais quelqu'un ici ? Non, 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 je tiens juste à me montrer amical. Je n'ai aucune envie d'être de nouveau pris pour un pirate. Tu as raison. Un voyou comme toi doit savoir rester prudent. Hein ? «
quand on pense que l'Espagne et l'Angleterre étaient en guerre il y a encore 2 ans. Et aujourd'hui, je commerce avec des Espagnols comme avec de vieux amis. Ça ne va pas, Duncan ? Non, c'est rien. Rien d'important. Bonnet, tu connais un coin pour se reposer ? Je ferais bien un petit somme. Ou une siesta, je devrais dire. Je dois me rendre dans une taverne pour y rencontrer des marchands. Je peux vous y conduire. Bon, allons-y. J'espère que vous resterez... Allez, on est parti. Je mènerai nos affaires. Je serai soulagé par la présence d'un individu de votre stature en cas de méprise. Je peux rester dans le coin. J'ai besoin de boire un coup. Splendide. Un coup. Faut croire qu'on aime guère les pirates ici. Je me demande combien de réales ils ont volé pour finir là-dedans. Vous voyez que les pirates ne sont pas du tout appréciés et qu'Edward est un petit peu mal. Mais bon, en attendant, on vit notre Hola, histoire. Mesdames. Vous ne connaissez bonjour, mademoiselle. Non, il faut les payer pour avoir ce privilège. Quelques dizaines de réales pour chaque heure en leur compagnie. Ça te tente ? Non, par le ciel, non. Je suis un homme marié. Les hommes mariés, c'est leur spécialité. C'est intéressant à savoir, n'est-ce pas ? Donc normalement ça va être cette taverne là que vous voyez en bleu turquoise. Ah bah en fait pas du tout, donc tant pis, je croyais que c'était celle-là, mais pas du tout. Mais bon c'est pas grave, je me suis trompé, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. Donc on va simplement accompagner notre ami Steed, Steed Bonnet. À chaque fois je dis Steve, je sais pas pourquoi, mais enfin bref, on va l'accompagner à notre taverne où c'est qu'on va devoir se rendre. Et puis bah après on se quittera je pense. Pourquoi il va là? Ah non, je croyais qu'il allait là. Mais bien entendu. Merci. Hop, donc on va pouvoir commercer comme un petit peu chaque début d'AC. On va permettre de s'acheter quelque chose. Donc nous, on va se prendre des sabres britanniques. Et je crois que c'est tout ce qu'on peut pour le moment. Avantage. Et toi, Bonnet ? Hélas, je n'ai pu m'offrir qu'un poignard. Il sera bien utile en cas de malheur. Oh, sacre bleu. Pour l'instant, c'est toujours fait. Je nous ai égaré. Hop. T'en fais pas, je vais prendre on va pouvoir monter tout là-haut. Voilà. Donc on va grimper tout là-haut pour aller sur le point d'observation, bien entendu. Je vais essayer d'aller à gauche, voilà. Et on va grimper en haut de cette église. Et on va pouvoir voir où est la taverne. Hop. Voilà. Alors la tenue, je la trouve plutôt sympa. Moi, je sais pas pour vous. Je l'aime bien. On la changera sûrement au cours de l'aventure. On verra bien. Pour l'instant, elle me va très bien. De toute façon, on a guère le choix. Donc on a une vue sur la Havane. Qui est plutôt sympa, hein, je trouve. Moi, de toute façon, j'aime bien les couleurs de ce jeu et tout. On est pas loin. Arrêtez. Tiens bon. C'est en train de s'engueuler. Ah. Pourquoi je peux pas? Voilà. Je vais attendre le didacticiel. Et cette fois, c'est parti. Ah, il a volé le truc. Ouais, c'est bon. Je croyais que je m'étais gouré de touche, mais non, c'est bon. On va pouvoir le suivre. Ah! Faut les sélectionner, j'ai pas du tout réussi. Alors, je sais plus s'il faut le faire tomber ou le tuer. Ah, je vois attraper, donc j'ai juste besoin de faire B. Allez! Ah, mais t'as laissé tes pattes là-bas ou quoi, Edward? Ah! Oh, bon. Okay. Voilà. Il voulait se relever. T'as mal choisi ta victime, il a pas de temps. Cet homme a des amis. Voilà. Et on va pouvoir retourner voir notre ami. J'espère qu'il est cette fois au. J'allais dire à l'étable, mais pas du tout au. Ah, je sais plus comment on dit. Enfin bref. C'est bon ou pas? Duncan, voilà. Vous êtes en vie? Bien sûr que je suis en vie. Ce voleur faisait pas le poids. Oui, je me tais. Ah, c'est pas le poids, mais par contre, il a été long à rattraper. Je sais pas pourquoi, mais Edward, soit qu'il avait oublié ses pieds à la maison. Prends ton temps, je vais rester là. Ça fait bizarre de voir un Gallois en plein pays métèque. Je suis anglais, moi. Je ronge mon frein en attendant la prochaine guerre. Le bon vieux George a bien de la chance qu'une outre comme toi le défende. Hé, toi là, j'ai déjà vu ta tête. T'es de mèche avec ces pirates de Nassau. T'es ta grande gueule ou je vais la remplir de plomb, t'as compris? Edward, c'est ça?
Vous voyez qu'Edward sait mettre l'ambiance. Allez, c'est parti. Ah, je suis obligé de faire le didacticiel. Bon, puis on va les latter comme ça. Allez, voilà. Ça c'est fait. B pour contrer une attaque ennemie. Oui, t'inquiète pas, ça je sais. C'est bon. Pour saisir la prochaine, appuyez sur B pour contrer, puis appuyez sur B. Ok. Ah, déjà, faudrait qu'il y en ait un qui décide de m'en mettre une. Voilà. Ça. Bon, là c'est le didacticiel. Hein, donc j'ai pas vraiment le choix. Hop, blessé. Bon, est-ce que maintenant je peux attaquer B sur X pour contrer. Clac. Voilà. Et maintenant, normalement. Non, même pas encore. Voilà. Maintenant, c'est parti. Je peux les latter comme j'en ai envie. Donc ça va aller plutôt vite, je pense. Toi. Ah, c'est bon. Et toi avec ton chapeau. T'es KO. Voilà. Ah, le coup de pied qui a eu du mal à venir. On se reverra. Perro inglés. Bombe fumigène, appuyez. Sélectionnez la bombe fumigène et Y l'utiliser. Ah. Voilà. Sayonara, bitches. On a plus qu'à se tirer de là maintenant. Hop. On va essayer de trouver un tas de foin ou quelque chose pour se planquer. Ah bah ça, ça me paraît plutôt bien. Voilà. Et on a plus qu'à attendre. Enfin, fuir la zone, j'espère que c'est bon. Ah, quoique j'ai un petit doute. Quoique je vais ravancer. Parce que je crois que c'est. Je crois que j'ai pas vraiment quitté la zone. Si la zone c'était juste la terre, je l'ai quitté, mais j'ai des doutes là-dessus. Donc on va plutôt. Ouais, voilà. Je crois que je vois le signe jaune. On va plutôt quitter toute la zone en rouge. Voilà. Mission accomplie. Alors, chose aussi nouvelle que vous allez voir, c'est qu'on peut donner notre avis. Donc donnez vos commentaires, voilà, évaluez cette mémoire et on peut trouver comment ça a été sympa. Donc bon, moi je vais mettre pas mal parce que bon, c'est pour le début. Je le ferai peut-être de temps en temps, je verrai comme j'en ai envie. Donc voilà. Donc les amis, je vais vous laisser pour ce premier épisode d'Assassin's Creed 4 Black Flag. J'espère que ce premier épisode de notre nouvelle aventure vous aura plu. En tout cas, moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ce dimanche-là, cette fois-ci, j'espère pouvoir vous faire la vidéo sur Megaman, ou en tout cas vous faire une vidéo ce dimanche là. Mais en attendant, abonnez-vous pour pas rater les prochains épisodes et les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis geek et bien, c'était Edward Kenway, peace.